Bonjour et bienvenue à Vie de Foi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Marc ambrogio qui vient de la France, de Fréjus, et aussi euh, l'évangéliste Frank Poulin qui est avec moi aujourd'hui. Bonjour, Frank. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour l'équipe hein, MCI. Gloire à Dieu. Euh, aujourd'hui, on va parler d'une chose très intéressante. Moi, je trouve ça passionnant, la révélation du nom de Dieu. Euh, vraiment, je pense que c'est très pertinent si on veut bénéficier de notre héritage en Christ. Cette semaine, on parle de notre héritage euh, et vraiment, on doit connaître le nom de notre Dieu. Mais pasteur Marc, ici, on ne parle pas euh, de connaître son nom d'une façon comme le nom propre, n'est-ce pas C'est pas vraiment ça que tu veux nous enseigner aujourd'hui Alors. Oui, déjà, en fait, dans la Bible, le, les prénoms, même des hommes, il y a une grande importance. Mm -hmm. Et Dieu même se plaît à changer les noms. Jacob en Israël, Abraham en Abraham. Mm -hmm. je, je parlais tout à l'heure avec euh, le, le pasteur Joël sur euh, Benjamin qui euh, au début naît dans le fils de ma douleur, Ben Oni, mais mmh. Jacob, son père, va dire non, ça ne sera pas le fils de ma douleur, ça sera Benjamin, mmh. Benjamin le fils de ma droite. Mmh. Et je crois que c'est important de, de, de voir les prénoms bibliques, mais encore plus de connaître Dieu au travers de euh, ces noms. Il y a plusieurs noms dans la parole et ça donne des... des, des plusieurs facettes en fait vrai. Les, les attributs de Dieu comment mieux connaître Dieu au travers de ses noms et puis aussi voir ce qu'on a vu déjà en début de semaine la révélation progressive c'est-à-dire de partir des anciennes alliances jusqu'à la nouvelle mm -hmm. et je crois qu'il y a une révélation progressive des noms de Dieu qui nous fait comprendre de plus en plus qui est Dieu jusqu'au point j'allais dire culminant que Jésus va nous donner mm. on le verra tout à l'heure comment appeler Dieu Amen, ah ça c'est super intéressant. Donc, je t'invite à nous partager ce que Dieu t'a révélé concernant les noms de Dieu. Euh, moi, je trouve ça vraiment intéressant parce que, je vais vous dire, au début de l'émission, à cause du psaume 91, mmh. moi, je trouve ça super, euh, j'aime méditer sur le psaume 91, c'est un passage des Écritures que plusieurs personnes ne croient pas. Hein, je te dire honnêtement parce que tu plusieurs chrétiens qui ne croient pas euh, l'épître psaume 91. C'est mmh, euh, dommage. Oui, c'est dommage. Mais ils disent ah c'est poétique donc on ne peut pas vraiment croire euh, c'est pas vraiment de la doctrine. Mais moi je crois l'épître 91 et je m'approprie euh, l'épître 91 pour ma vie. Mais ce que j'aime c'est le verset 14 oui. précisément qui dit puisqu'il m'aime en parlant de la personne que Dieu uh -huh. va protéger celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut euh, puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom mm -hmm. puisqu'il connaît mon nom il m'invoquera et je lui répondrai je serai avec lui dans la détresse je le délivrerai et je le glorifierai je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut ou ma délivrance mais ce que j'aime c'est puisqu'il m'aime je le délivrerai je le protégerai puisqu'il connaît mon nom et on parle du nom de dieu aujourd'hui c'est extinct parce que de cette promesse-là, où l'option 91 ouais. repose sur le fait qu'on connaît le nom de Dieu. Mais est-ce que c'est parce que je connais, ah, Dieu s'appelle l'Éternel, ou Yahweh, ou. Euh, est-ce que c'est ça que Dieu veut vraiment ouais. dire dans ce passage-là? Intéressant. <laughs> euh, je crois que. enfin, En plus, à cause de. Moi, j'aime vraiment ça. Hein, je rebondis, et il y a un autre verset qui dit à cause de mon nom. Il y a quelque chose de. Qu'est-ce que représente le nom? C'est-à-dire Abraham qui devient Abraham, ça ne change pas grand-chose. Et pourtant, ça va signifier qu'il va devenir fécond, qu'il va mm -hmm. croître et multiplier. Mm -hmm. Et les noms de Dieu, la révélation du nom de Dieu, jusqu'à ce que Jésus va nous donner ce, le dernier nom, l'aboutissement, va nous faire mieux comprendre cette plénitude. Mm -hmm. euh, on, on... Un nom était vraiment important aussi. Hein, C'est tellement important parce que, tu vois, aujourd'hui, on, on ne voit jamais des mamans qui appellent leur nouveau-né Adolphe, par exemple. J'ai jamais rencontré <laughs> un petit garçon qui s'appelait Adolphe. N'est-ce pas? Alors, tu comprends? Ouais. Donc, un nom porte quelque chose d'important, un sens spirituel aussi. Hein? Tout à fait. Et puis, pour moi, je pense que c'est important d'avoir un nom qui parle de la bénédiction ou quelque chose de merveilleux, parce qu'à mmh. chaque fois, on appelle cette chose sur la personne. Comme quand Jésus a changé le nom de, de Pierre, hein? c'est comme, vraiment, c'est comme fait. le ouais. rocher. C'est comme, je fais appel à toi, même si toi, t'es pas trop, trop stable, mmh. mais je déclare sur ta vie que tu es pas juste Simon, mais es Simon -Pierre. tu sais, es Simon-Pierre, c'est comme, t'es ce rocher, là. Et nous aurons un nom nouveau. C'est vrai aussi. En plus, c'est déjà préparé. C'est bon, ça. Oui. <laughs> Alors, on peut voir déjà les, les, les premiers noms qui sont les, les plus communs. J'allais dire, hein, Elohim, El ou Adonai, euh, Elohim, qui est vraiment le Dieu, Dieu pluriel, Dieu dans, dans, dans ce qu'il représente, mm -hmm. euh, Dieu qui, euh, qui est déjà trinitaire, c'est-à-dire qui va s'occuper de nous d'une mm -hmm. façon euh, paternel qui va s'occuper de nous selon l'esprit le, le Fils l'envoyé on, on peut y voir ça hein. mmh. euh, Dieu dit euh, euh, faisons l'homme on voit la, la pluralité déjà dès le nouveau l'Ancien Testament dès les ouais. premiers versets ouais. faisons l'homme à notre image il y a une pluralité mmh. de Dieu donc ce, ce Dieu 1 hein, et pourtant, pluriel. C'est ça. Et on veut juste dire aussi, on ne croit pas en trois dieux, mais un dieu qui euh, est en trois personnes. Oui. Et si vous avez des questions sur la Trinité, j'aimerais vous inviter à visiter le site web enseignement.com euh, ou emctv.com. Et puis il y a un cours qu'on offre qui est le Disciple victorieux. Et puis je décortique tout ça. Donc dans le Disciple victorieux, vous allez là, on parle de, de Dieu justement et la, de la Trinité. Donc on ne parle pas d'un dieu, euh, comment dire, trois dieux, non? Comme certains, on n'est pas politiste, mais on comprend dans la parole de Dieu, justement, euh, cet, cet enseignement de la Trinité. C'est très important de comprendre tout ça. Et Dieu s'est présenté comme Elohim, justement, oh. qui est euh, au sens pluriel. Au sens pluriel. Après aussi, on, on a Adonai, le, le Seigneur, c'est-à-dire celui qui règne, qui a l'autorité. Mm -hmm. Et euh, souvent, quand j'étais petit, il y avait un, un pasteur qui était passé et qui nous disait souvent, on, on dit à Dieu, tu es notre sauveur. Mais quelquefois, on ne lui dit pas facilement ⁇ tu es notre Seigneur ⁇ c'est-à-dire ah, celui qui a appelé est appelé à régner. Mm -hmm. C'est ça. Il y a une différence entre ⁇ sauveur ⁇ Jésus est le sauveur du monde, mais il n'est pas le Seigneur de tout le monde. Exactement. Donc, on décide, si on, on donne notre vie au Seigneur, et le mot Seigneur, souvent, je le remplace par le mot Maître. Donc il devient le maître de notre vie. Mmh. C'est une différence entre celui qui vient nous sauver seulement, mais celui aussi qui, qui dirige notre vie après. Oui, tout à fait. D'ailleurs, dans un passage biblique, il va utiliser le, le mot Baal. Dieu va utiliser le mot Baal, qui est aussi utilisé pour Marie. Marie est maître mmh. et, euh, ou propriétaire. Si mmh. vous allez en Israël, par exemple aujourd'hui, le propriétaire de la maison qui vous loue une maison, c'est le balabait. Ok. C'est-à-dire le, le bal, le maître de, de la maison. Bait. Mmh. Et, euh, et, et Dieu va, va dire. Je serai, euh, bal, -à -dire je serai ton Baal, c'est-à-dire je serai celui qui, qui euh, est ton propriétaire, celui qui veut euh, acquérir ta vie, celui qui veut donner aussi, qui mm -hmm. veut embellir ta vie. Amen. Mais quelquefois, on peut dire non, je ne te donne pas les clés. C'est ça. Et ça, c'est important. Ouais, il y a beaucoup de gens qui vont avoir peur, en fait, de lui remettre tout. Mais l'important, c'est tout simplement de comprendre. On revient à ce qu'on avait dit dans les émissions précédentes Dieu est bon. Et tu ne peux pas avoir de meilleur maître que lui. C'est impossible. Ça. Et si Dieu n'est pas ton maître, tu es un esclave du ouais. es diable. Ah, Absolument. Oui. Donc, moi, je préfère Dieu. Ouais. <laughs> Amen. Clairement. Euh, après, peut-être qu'on on pourra voir les, les, toutes les... Peut-être qu'on peut parler du tétragramme oui. avant de voir tous les, les attributs de Dieu. cest C'est quoi, ce tétragramme? Mm -hmm. Alors, non. le tétragramme, c'est un... <laughs> à un moment donné, toutes les divinités, on les appelait les El, les Elohim, les Baal, les Adonai, même, quelquefois. D'autres dieux apportaient ce nom. Mais Dieu va dire... Attendez, moi j'ai une spécificité, j'ai un, un nom qui peut me représenter qui va être le tétragramme. Alors, certains aujourd'hui vont le traduire par Yahweh. Alors là, c'est un gros débat, je ne rentrerai pas sur ce où on peut le retrouver dans le nom des prophètes, ce que je disais tout à l'heure Irmi Yahou, Jérémie, peut-être Yahou, hmm. pas Yahou.com. Hein. <laughs> euh, mais c'est-à-dire, c'était un, un verbe, ça représente le verbe être. Un peu conjugué, un peu à tous les temps, c'est-à-dire celui mmh. qui est l'éternel, en fait, hein. l'éternel exactement, celui qui était, qui est, mais qui sera l'éternel exactement, qui nous fait comprendre euh, le, le Dieu n'est pas, il est hors circonstance. Ouais. Il est quelquefois nous on s'inquiète et on se dit mais oh mais c'est pas possible, j'avais pas prévu ça, il y a un accident. Mais Dieu est, est aux commandes, il peut nous sortir ça, il a déjà la sortie de secours pour mmh. nous, il, mmh. il est suffisant. Ce que je disais, comme ouais. Jésus est suffisant. Dieu était suffisant. Mmh. Oui, c'est ça. Donc, le tétragramme, on parle de quatre euh, consonnes, en fait. Mmh. Et puis, certains ont rajouté des, des voyelles entre les quatre lettres Exactement. et ils ont essayé de deviner, en fait, le nom de Dieu. Parce qu'on le connaissait. Mmh. Il nous a dit que David connaissait son nom. Mmh. Euh, en fait on, comme on, 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 on a perdu les, les voyelles on, on a perdu ce, ce fait de prononcer le nom de Dieu parce que c'était tellement, tellement que qu on le nom sera pas. sacré qu'on ne le prononçait plus on a perdu la, la, la sonorité du nom wow. et à un moment donné donc euh, on s'est dit mais comment on peut dire donc on, certains on dit Jéhovah on sait que c'est une petite erreur, quoi. Oui. mais. Euh, en fait, voilà. c'est une traduction, euh, une mauvaise traduction d'un moine. Oui. Et même la religion, souvent, qui s'approprie le nom Jéhovah, le savent. Et même dans leur livre, c'est écrit, en fait. Nous savons que c'est une mauvaise traduction euh, du tétragramme, mais ça fait tellement d'années qu'on est connu sous ce nom, on poursuit là-dedans. Donc ça, c'est intéressant à noter quand même. Donc oui. euh, on, on comprend que le tétragramme, les quatre consonnes, bien, elles sont là. Euh, et puis euh, aujourd'hui, on connaît Dieu. Pour moi, euh, je trouve dans la Louis II, on retrouve Dieu comme étant l'éternel. Et en fait, bon. ça décrit en fait qui il est, l'éternel. Bon. Dieu est en dehors du temps. Avant est que est tellement tout grand. était, je suis. C'est ça, exactement. exactement. Ça décrit très très bien ouais. l'éternel, pas de, de début exactement. ni de fin. Il est l'éternel, mais aussi Dieu s'est présenté dans sa parole sous plusieurs noms en fait, pour qu'on découvre oui. euh, qui sa il est, sa nature, Sa nature, ses attributs. Exactement. Ça c'est passionnant. Là. Tout à fait, exactement. On peut voir où euh, donc le, le tétragramme où El El rafa par exemple, Dieu guérisseur, celui mm -hmm. qui va guérir. Mm -hmm. Dieu est celui qui nous guérit. Et moi je crois à la guérison. Je crois qu'on est un, un, un un mouvement de, de, de personnes, de croyants, qui croyons à la guérison. Moi, je, je sais, je voudrais témoigner, juste quelquefois, on a des impossibilités dans nos vies. Euh, ma famille est venue à la fois par une guérison. Mon papa, dans les années 50, avait mis une rallonge électrique à la bouche. Il était petit à un an et demi. Et euh, ça a déchiré sa langue, en fait. Elle, elle s'est arrachée. Wow. Et dans les années 50, on ne savait pas faire. Ils l'ont amené à l'hôpital. Ils ont dit "Ben, on, on peut rien faire pour lui. L'enfant le, va mourir. Il peut plus s'alimenter." Mm. Et ils ont entendu parler d'une mission évangélique qui priait pour les malades. Wow. El Rafa, le Dieu qui vient nous guérir. Et là, ils l'ont amené tout simplement. Ils ont prié dans la nuit. Euh, alors, la langue a repoussé. Et le lendemain, mon papa a pu manger des petits gâteaux. Il avait un an et demi. Ça a été le oh. miracle 50 Italiens qui ont débarqué à l'église mmh. d'Antibes. Je crois que Dieu, encore aujourd'hui, fait des miracles. Absolument. C est, c est pas, est, il est le Dieu qui guérit. Wow. Ouais. C'est merveilleux. Hein? Sûrement, vous avez même des, 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 des événements aujourd'hui qui se passent dans, nos, dans vos églises. Ah, gloire à Dieu. Heureusement, euh, oui, on a des personnes qui sont euh, guéries. Mmh. Juste, euh, il y a deux semaines, il y a un frère qui est venu me voir. Euh, m'a dit, pasteur, euh, ben, tu as pris pour moi... Euh, telle date lui se rappelait des, 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 des détails euh, il avait un cancer et puis il a dit je suis retourné voir mon médecin et puis ne retrouve aucune trace de cancer mmh. aujourd'hui c'est gloire à dieu pour ça ouais. euh, une, une autre sœur de notre église a été guérie d'un cancer euh, je pense si on recule en arrière aussi ça c'est récemment mais mon grand père euh, notre grand père en fait Croyait dans la guérison divine. Et puis, quand il venait toujours d'être sauvé, euh, je pense un de ses premiers miracles qu'il avait vu c'était lorsqu'il était, lorsqu il était euh, bûcheron. Il mm. travaillait dans le fin fond d'une forêt. Il, il bûchait, littéralement, et il fendait du bois. Et puis, il dépendait sur euh, euh, son cheval. Il devait avoir son cheval de travail pour, pour faire son travail. Et puis son, son cheval est tombé malade. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, toi, frère. J'ai entendu parler, mais vas-y. Mais là, il, il y a eu dans sa parole, dans la parole de Dieu, qui disait, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais il devait abattre son, son cheval ou voir un miracle. Et puis lui, il avait pas les moyens et pour s'acheter un autre cheval. Et, et puis non. il a imposé les mains à son cheval. Il a dit, Seigneur, te dis dans ta parole, vous imposerez les mains aux malades et mon cheval est malade. Donc, au nom de Jésus, sois guéri et son cheval a été guéri. Donc... <laughs> Amen. Ah, même... Mais là, c'est pas un enseignement sur comment guérir nos animaux, mais pourquoi pas On peut oui, exercer oui, notre absolument. foi Dieu. et on voit des Dieu. miracles. Gloire à Dieu oui, que oui. ce soit il y a 50 ans ou aujourd'hui. Euh, nous servons le Dieu qui n'a pas changé, euh, Jéhovah, ou, euh, oui, Yahweh, euh, Rapha, oui, et même ma oui. fille Floramé. Son deuxième nom c'est Raphaël. Et oui. Ouais, parce qu'on aimait le nom de guérison. Parce que ma femme, en fait, c'est une histoire de miracle aussi, mm -hmm. le fait que Floramé est au monde. Euh, ma femme avait eu une chirurgie à ce moment-là, et puis les médecins nous avaient dit qu'on qu était pour perdre Floramé. Mais moi, j'ai dit non, on va prier. Ma femme aussi a dit non, on, on ne perdra pas notre, notre fille. On ne savait pas si c'était une fille à l'époque, mais euh, bref, on, on ne perdra pas notre bébé. Et quand on a eu euh, euh, la, la première vérification à, à l'échographie, c'était vraiment drôle parce que Floramé faisait comme ceci. <laughs> elle faisait comme ceci oh. dans l'échographie, et pour moi c'était comme c'était comme ça si de je loue le Seigneur, je suis vivante. Uh -huh. Et puis ma femme a été opérée, puis le bébé en resté, puis aujourd'hui Floramé, c'est Floramé Raphaël, mm. euh, parce que nous croyons dans ce Dieu de, de, de guérison. Ouais. Moi je pense que même Pasteur Franck, Évangéliste Franck pourrait pourrait dire à nos amis, je crois qu'on peut s'attendre à, à, à l'Éternel qui guérit maintenant. Ben, quoi. Pour moi vous allez peut-être dire c'est très simple comme théologie. La parole nous dit dans Colossiens 1:15, parce que le Seigneur m'a beaucoup travaillé par rapport à, à ça en fait. La parole nous dit, il est l'image, en parlant de Jésus, du Dieu invisible, mmh. le premier né de toute la création. C'est vrai. Il est l'image de Dieu. Tu veux connaître Dieu, sa nature, sa volonté concernant toute chose, tu regardes à Jésus. C'est vrai. Hébreux 1:3 dit qu'il est le reflet de sa gloire, mmh. parlant de la gloire de Dieu, l'empreinte de sa personne. Quand tu vois Jésus, tu te dis ben est-ce que Jésus a refusé de guérir quelqu'un? Jamais, jamais. Vrai. Il guérissait toute maladie. Oui. Jamais il a dit à quelqu'un as trop péché. Jamais il a dit à quelqu'un non c'est pas ton temps. Mm -hmm. Et là je vous en parle, je suis dans la présence de Dieu. Il est la, la manifestation tangible de la volonté de Dieu en toute chose. C'est vrai. Et là tu vas avoir une bonne théologie. Tu regardes Jésus. Il est l'image du Dieu invisible. Et pour mm -hmm. moi je peux pas pas croire dans la guérison. J'ai été guéri moi-même. Mm -hmm. J'ai vu des gens guéris au travers de moi, mm -hmm. et je me dis ben non, il est vraiment c'est Dieu sur terre qui démontre la plénitude de sa volonté en toute chose. Mm -hmm. Et pour ça, par rapport à, à Rapha, le, le Dieu qui mm -hmm. guérit, je crois que oui. Là, je suis je suis vraiment dans la présence de Dieu. Excusez-moi, mais il y a vraiment quelque chose. quelque chose de fort vraiment pour les gens. on va prier tout de ouais. suite pour vous parce que. Bon, on ne sait pas comment le Saint-Esprit va diriger. Ouais. Je vais demander à Frank si tu veux prier pour les gens qui sont malades. On a parlé de la guérison. On ne veut pas juste parler des noms de Dieu, mais on veut s'arrêter. On va se ouais. stationner ou se garer ici Amen. sur Yahweh ouais. Rafa ouais. celui qui te guérit oui. et on va exercer notre foi. Si vous êtes dans la douleur en ce moment, vous êtes ouais. dans un besoin, peu importe, relâchez votre foi, euh, l'Évangile Frank va prier pour vous et ouais, on va croire ensemble. Juste à la maison, je veux vous encourager, oubliez tous les excuses que vous avez pu entendre des témoignages de personnes. La volonté parfaite de Dieu a été révélée en Jésus. Jésus n'a pas jamais marché dans la maladie. Jésus, non, au contraire, ça nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant le bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise, l'empire de l'ennemi. La maladie, ça vient du diable, c'est une conséquence du péché. Et Jésus détruisait les œuvres du diable. La, la maladie n'est pas la volonté de Dieu pour votre vie, mais là, on veut vous encourager Amen. parce qu'il est celui qui nous a guéris au travers de l'œuvre de la croix. Amen. Et donc aujourd'hui, on va exercer notre foi. Et là, là où vous êtes, vous allez mettre la main, là où vous avez une douleur, peut-être c'est même sur l'écran pour relâcher votre foi au moment où -ce on va prier. Mais là, on va simplement croire. Il y a l'onction de Dieu qui est ici. Je le sens vraiment fortement. Et je crois qu'il va se passer quelque chose pour vous-même. Si les médecins ont dit des choses, même si on a prié sur vous dans le passé, préparez-vous là à recevoir quelque chose de frais de la part de Dieu. Et Père, on te remercie pour ta présence. <laughs> je te remercie, Saint-Esprit, parce que tu es la puissance de Dieu ici sur Terre et tu vas te manifester dans les maisons des gens qui nous regardent. Et nous appelons et nous déclarons que tout esprit d'infirmité qui retient les gens captifs, liés depuis des années. Des gens dans la courbature, dans des douleurs constantes. Au nom de Jésus-Christ, nous nous dressons contre tout esprit méchant. Nous te chassons de ce corps maintenant même, au nom de Jésus. Amen. Nous parlons la santé dans ces corps. Nous détruisons les œuvres du diable parce que Jésus travaille à nos côtés. Au nom de Jésus, cancer soit détruit, vaincu dans ce corps. Au Amen. nom de Jésus, nous Amen. parlons la, la les guérisons sur votre être tout entier. Au nom de Jésus, soyez guéris, recevez-le maintenant. Amen. Père, Alléluia. on te remercie. Alléluia. Ce que je reçois aussi dans mon esprit, c'est qu'il y a une femme, vous avez un problème, c'est dans votre artère, votre, vous avez un artère de, de bloqué. Hmm. Et dans le nom de Jésus, maintenant, je déclare par les sur de Jésus amen. à la croix, vous êtes guéris. Ouais, je commande à votre corps d'être totalement restauré. Man, et je vois aussi, il y a une femme, vous êtes voilée. Vous êtes une femme voilée et puis. En ce moment, vous avez plein de douleurs partout à travers votre corps. Votre corps est rempli. Euh, je ne connais pas le nom de cette maladie, mais vous êtes rempli de douleur. Et aujourd'hui, maintenant, le nom de Jésus-Christ yes. est déclaré sur vous. Il envoie oui. sa parole, il est guéri. Et je déclare la guérison Seigneur, de la merci. tête aux pieds Amen. maintenant. Ah, et calons. comme Jésus vous guérit, ou Dieu le, vous libère maintenant, il vous délivre de yes. toute forme de religion, aujourd'hui, à cause de sa main, vous pouvez savoir maintenant que Jésus vous a visité Amen. là où vous êtes. Jésus vous a visité dans votre demeure. Recevez votre guérison et recevez aussi la vie éternelle, la Délivrance, de délivrance Jésus. de toute, toute chose qui vient du royaume oui. des ténèbres. Et je commande aussi à ces attaques sur votre corps par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Quittez maintenant cette, la Amen. vie de cette personne. Soyez libérés, soyez restaurés dans votre corps, dans le nom de Jésus. J'ai prié plutôt pour des courbatures, mais il y a vraiment quelqu'un dans son dos, dans le bas de la nuque, il y a, il y a vraiment une courbature qui est là. Et là, on veut juste se dresser contre ça. Au nom de Jésus, ah, tu dégages, courbature, tu t'en vas, tu quittes ce corps. On appelle à ce que la colonne se redressisse, Amen. à ce que toutes les vertèbres soient à leur place, à ce que toute douleur, toute conséquence d'un accident, quelle qu'elle soit, soit renversée. Au nom de Jésus, nous parlons la guérison Amen. sur cette courbature. Seigneur, nous te remercions pour, pour, la percée, pour la percée. Recevez maintenant. Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Ah, Seigneur Jésus. Merci. Je wow, ben, vois même aussi un homme, c'est spécial. Je vous vois, vous êtes en train d'écouter cette émission dans un garage, vous êtes mm. dans un garage euh, à la maison, et puis vous nous regardez sur un téléphone cellulaire, et puis vous vous êtes blessé en travaillant avec des outils, et vous venez de vous poser la question est-ce que Dieu peut me guérir C'est de ma faute, c'est moi, je me suis blessé, est-ce que Dieu peut guérir ça Et Dieu vous dit oui, Dieu veut vous guérir là où vous êtes. Donc recevez dans le nom ah, de ben... Jésus, votre guérison Soyez restauré dans votre corps, yes. dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Amen. Dieu. On sert ce Dieu qui est vivant aujourd'hui. Yes, oui, bon. oui. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bon. Ce Dieu qui est bon, ce Dieu qui est puissant. Les noms qu'on qu a ici là, dans nos notes, ce Dieu puissant, le Créateur. Si, si Dieu nous a créés, il sait comment nous restaurer, il sait comment oui, nous réparer, oui, si on tout veut. Tout euh, le roi des rois, on peut déclarer qu'il est le roi de notre Exactement. vie, notre Seigneur. Exactement. Amen. Et puis, je te laisse poursuivre, Pasteur Marc. Je, je terminerai sur tous ces attributs. Le, le Dieu de paix. Amen. Le Dieu shalom, ouais. souvent on, hmm. on parle du shalom et de, de cette paix simplement, mais euh, j'aime ce verset qui dit « Il vous donnera la paix qui surpasse toute intelligence ouais. ». Mm -hmm. euh, okay. Notre intelligence, quelquefois, quand on passe par des circonstances effrayantes mm -hmm. où les médecins peut-être viennent nous dire « Écoutez, c'est fini pour vous, ouais. vous en avez pour trois mois » ou euh, « Là, euh, financièrement, ça ne passera pas mm » -hmm. ou euh, « Concrètement, votre couple est fichu ». Et pourtant, Dieu est celui qui veut nous donner cette paix paix qui surpasse toute intelligence, c'est-à-dire mmh. tout, tout, toute compréhension ouais, qui ouais. normalement devrait dire ça ne passera pas, seul humain. Mais avec Dieu, ça va passer. Je veux dire à des, des personnes, ça peut, ça va passer avec Dieu. Shalom, ça veut dire euh, c'est la paix, mais c'est aussi ce qui est complet, ce qui est entier, mmh. ce qui est payé. Mmh. Et, et, et Jésus-Christ a payé à la croix. Quand ah, il monte ouais. à la croix, moi j'aime les, 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 les dernières paroles de Jésus qui va dire tout est, ah, est accompli. Puissant. Tout est accompli, tout est payé. Wow. tout est Et à nous de le croire par la foi et de dire ah, est que celui qui comprend que tout est accompli, que tout est payé, la paix est sur lui. Mm. Moi, je, je termine souvent nos réunions à l'église, la prière de la fin, je, je déclare le shalom sur vos Amen. têtes et les gens reçoivent. Et euh, une fois, je ne l'ai pas faite, il y un frère qui est venu voir et dit Pasteur. <laughs> Tu n'as pas déclaré le shalom sur nos têtes, <rire> <rire> le shalom sur ta tête. Parce qu'en fait, le shalom, rien de manquant, rien de brisé. C'est ça, en Christ, il ouais. n'y a rien de manquant, rien ouais. de brisé. Vrai. Moi, je crois ça. Et j'aime le texte que tu as cité. Je vais le lire dans ouais. Philippiens 4, euh, verset 6. Il est écrit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins, pas à votre voisin, pas, mais à Dieu, à Dieu par des prières et des supplications, donc des prières ferventes, Amen. avec des actions de grâce mm. et la paix de Dieu oui. qui surpasse toute oui. intelligence. Gardera vos cœurs wow. et vos pensées en Jésus-Christ. Puis quand on regarde au Seigneur, on est toujours encouragé, on est rayonnant de joie oui, parce qu'on n'a pas à s'inquiéter. On oui. place notre confiance en Dieu qui est la source de toute chose. Aujourd'hui, on le sait, il y a tellement bon. de. de dans, dans les têtes, dans les pensées, les gens sont tellement attaqués. Tout à fait. Ce verset-là, il est pas mmh. à mépriser. La parole nous dit d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui. Jésus était dans la paix. Oui, mmh. même s'il y a eu des moments où c'était plus difficile comme dans le jardin de Gethsemane, mmh. il s'est retourné, il a remis tous ses fardeaux entre les mains du Père et c'est tellement puissant d'avoir cet exemple. Amen. Les Amen. gens sont à la recherche de paix aujourd'hui parce que c'est un monde vraiment de fou. Mais ce oui. verset-là est fort et puissant. On doit vraiment s'en accaparer. Et puis oui, c'est des attributs de Dieu. C'est la paix, absolument. Et je rebondirai sur ce que, ce que tu dis. Euh, quelquefois, on est tellement branché et connecté mmh. avec toutes sortes de choses, les PC, les téléphones, ouais. tous les médias. qui Et, et tout à l'heure, tu disais la prise de Jéricho, elle s'est faite en silence. Mmh. Quelquefois, il nous faut rester dans, dans un silence de Dieu, chercher Dieu dans ce silence. Pour recevoir sa paix. Euh, et je donne souvent le conseil aux, aux personnes déconnectez-vous. Alors pas de l'émission là maintenant, <laughs> mais déconnectez vos, vos téléphones, vos mm. PC pour prendre un vrai temps avec Dieu, tout simplement. Quoi. Mm. Amen. Et Amen. puis euh, aussi, on, on parle euh, ici du Dieu qui est notre berger aussi. Euh, bon, par exemple, sûrement c'est ça psaume 23. Oui. Euh, rare. Ah. Comment on prononce, pasteur Rare. Oui, ouais, tout à fait. Toi, tu habites en Israël. Tu oui. as cette onction de la prononciation que je n'ai pas. <laughs> <laughs> tu habites en Israël. Et puis, euh, le dieu Shama aussi, oui. euh, je, te, je te laisse partager. C'est le dieu qui est là. Mm. Euh, Shama, il, il est vraiment... On utilise encore ce mot dans l'hébreu moderne. Shama, dieu qui est présent. C'est-à-dire que, quelquefois, comme on disait tout à l'heure, les gens se disent, il faut que j'aille à l'église ou il faut que le pasteur vienne chez moi ou il faut que mais en fait la, la, nous sommes le temple du saint-esprit quand, quand, quand jésus dit cette merveilleuse parole il vous est préférable que je m'en aille pour que le saint-esprit vienne mm -hmm. moi souvent quand j'étais jeune je me dis mais non « Jésus, tu aurais dû rester avec nous. <laughs> » Mais si, quand Jésus était à Jérusalem, il n'était pas en Chine. Et si Jésus avait été en Galilée, il n'était pas en France. Ça. Ça. Et le Saint-Esprit, il peut être avec un ami important. chinois là en Chine, avec un, un ami du Maroc, avec un ami aux États-Unis, même au Canada. Même, même au Canada. ici. Même ici. <laughs> Heureusement. Et ça, ça c'est bon. J'aimerais peut-être terminer par ce point qui est la, la finalité des noms de Dieu. C'est que Jésus... Euh, je pense qu'on l'attendait même à ce qu'ils nous disent le nom de Dieu, le tétragramme, qu'est-ce que c'est mmh. Et comment on prie Parce qu'ils vont demander comment on va prier mmh. Dieu. Et tout le monde devait s'attendre alors, est-ce que ça va être Yahweh Est-ce que ça va être Yahou <laughs> Qu'est-ce que tu nous dis, Jésus ouais. Et Jésus ne mmh. dit pas du tout ça. Il dit quand vous priez, priez le Père. Et la révélation du nom de Dieu, aïe, aïe, aïe. elle passe par l'adoption. C'est ça qui est, est bon la saint. paternité, Dieu notre Père. Donc quand nous prions, moi je dis, cherche pas si c'est Yahou, Yahoué, El, Elohim. Yahouh! <laughs> Une des choses très importantes. Je pense, Pasteur que ce que oui. tu dis c'est très important parce qu'il y a des gens dans la religion qui s'attachent à un nom exactement. qui est pas vraiment le sens en fait qu'on a vu aujourd'hui. C'est vraiment de connaître les attributs de Dieu. Oui, Mais moi, j'appelle pas mon père Wallace. Et toi, Frank, t'appelles pas Daniel. Non. Ton père. Non. Tu l'appelles peut-être Papa. Moi, ah, c'est pas Papa. Je sais pas moi, comment tu pas. dis. Oui. Mais Moi, j'appelle mon père. Euh, papa. Okay. papa. Euh, et toi, en France, c'est papa. papa. Bon, tu vois, mais c est, c est, ici, on parle d'intimité, on parle d'une relation plus proche que Wallace. Il euh, y a des gens qui vont appeler mon père, Pasteur Wallace, et, oui. <laughs> et ils ne sont pas proches de, de lui. Moi, je suis proche de mon Père Céleste, donc je n'adresserai pas, même avec un prénom, je vais dire mon Père. Ah, C'est important. C'est bon. Hein? Et, ouais. et ça marche en plus quand euh, Jésus veut dire, nous avons reçu l'adoption qui nous fait crier ⁇ Abba Père ouais. ⁇ Si vous allez aujourd'hui en Israël, les enfants, comment ils appellent leur Père C'est-à-dire le Papa, ils ne disent pas ⁇ Père ⁇ ils disent ⁇ Papa ⁇ ils disent ⁇ Abba ⁇ mais vraiment, ça veut dire papa. Ça, c'est oui. important. Ah, c'est super. Mais ben, gloire à Dieu, je, je prie aujourd'hui. Notre prière, c'est que vous puissiez vraiment oui. connaître le Seigneur Dieu, même, comme merci. votre Père, oui. votre Père céleste. Et puis, comme vous donnez votre vie au Seigneur, et aujourd'hui, si vous êtes déjà un enfant de Dieu, vous pouvez aussi vous rapprocher de Son cœur et puis dire, Seigneur, je veux te connaître dans l'intimité et avoir cette relation en, en tant que euh, papa et fils ou mmh. fille de Dieu. Bon. Donc, on, on se réjouit aujourd'hui de cette émission où je sais que plusieurs ont reçu une ouais. touche de Dieu, une guérison. Gloire à Dieu. Et puis on on se réjouit aussi que vous êtes là avec nous tous les jours. J'aimerais vous inviter à visiter le site web enseignemoi.com et puis retrouver aussi les archives des émissions Vie de foi pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Donc, merci beaucoup, Pasteur Marc, d'avoir été à l'émission aujourd'hui. Merci, Frank, et merci à vous. Et de ça la prochaine fois, soyez richement bénis.